Hello à tous, c'est Lucky, bienvenue pour ce troisième épisode sur Super Mario Odyssey. La dernière fois, nous avons visité le Pays des Sables. On a pris quand même 30 minutes à faire la petite visite. On n'a même pas arrivé genre au jet de lumière, la première jet de lumière du Pays des Sables. Vraiment là, on a fait, je pense qu'on a vraiment tout visité là pour le moment. On a visité pas mal de choses et du coup là, on va continuer la suite de l'aventure. Oh merde! Il n'y a plus de tourbillon de sable. C'est compliqué ça. Ah bah non, c'est bon. Hop! C'est trop bien, les gars. Oh, ce jeu est trop bien, hein. Ah oui, là on peut aussi faire le jeu des cactus. Ça, c'est sympa. Ah, et puis encore un passage en 8 bytes! Oups. Est-ce que je peux me baisser ou pas? Ouais, je peux me baisser aussi. Oh mais le métaux, faut que je fasse gaffe. Je suis vraiment Ah. Merde. Ouais, il y avait une lune ici, je l'avais vue, hein, vous inquiétez pas. Hein. Moi je vois tout, hein, y a pas de problème. Ça c'est quoi ça? Ah oui, ça c'est. On peut voir. On peut. Ça c'est. On peut faire zoom ici. C'est en fait là on peut voir un petit peu le monde qui nous entoure et le monde qui nous reste à faire. Alors oui, simple, dès qu'on va passer par ici les gars, on va aller sur cette île là et après on va aller là-bas. Intéressant tout ça, hein. Toi tu viens là. Oh ouais, mais je suis trop con. Faut que j'aille par là-bas. Ok. Caché dans une caisse de ruines. Bon bah 20. Ah oui, c'est bien parce que quand on récupère une lune, on récupère en même temps toute notre vie. Wow, wow, wow. On va se calmer un peu, hein. Du coup, boum. On va passer par ici. Ah, bah merci, hein, c'est sympa. Ah, bah encore un passage en 8 bytes. C'est sympathique. Haha. Tac tac, bon, on va continuer notre aventure. Ah oui, il y a un petit endroit secret. Putain, j'ai eu chaud. Est-ce que c'est par ici qu'on peut y aller? Pas du tout. Alors c'est où? Ah oui, c'est par ici. Et là, on trouve 4 pièces violettes, gratuitement. Putain, j'ai eu chaud. J'ai vraiment eu chaud. Ouf! Oh là, j'ai vraiment pas fait attention. Ah. Oh là là, mais je suis vraiment trop nul. Non, non, je veux faire toutes les pièces, moi. Oh, bon dommage, hein, j'ai pas réussi. Mais non! Mais... On va attendre une minute. Ok, désolé. J'ai un peu fait de la merde. Oh non, je recommence depuis le début. Oh non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Non, 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 je suis mort comme une merde. Je suis mort comme une merde. Ah oui, en plus, je prends des dégâts et je suis le meilleur. Bon, là, c'est du temps perdu inutilement, les gars. Je suis désolé, j'espère que vous m'en voudrez pas. Je m'en fous un peu, on va rusher maintenant. Oh là 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 là. Je suis le pire, les gars. Honnêtement, je suis vraiment le pire. C'est bon. Ah oui, il y a un petit endroit par ici. Il suffit d'aller par là. Et qu'est-ce qu'on trouve? Une lune. Et on récupère toute notre vie. Ah, ça valait le coup, hein, de... Ok. Et une lune encore. Oh yeah. Au sommet de la tour des ruines. Parfait, c'est magnifique tout ça. Du coup, bah, la suite de notre aventure continue. Éclat de lune dans les dunes.
Bon bah let's go. Du coup la suite c'est le deuxième jet de lumière. Alors ta. Ça c'est quoi ça? Bon bah... Ah oui je me rappelle, ça permet de... Ouais bah je... Oh purée. Ah le truc de Mario Galaxy. Ah. Bon je sais que je compare beaucoup ce jeu à Mario Galaxy, c'est juste qu'il y a beaucoup de choses qui y ressemblent. Oh putain. On va retourner par ici. Oh j'ai eu peur. Puis la musique, mais c'est toujours un plaisir les gars. Genre vraiment la musique c'est vraiment trop bien. Et voilà, bon on va monter un peu, voilà. Et hop là. Alors du coup qu'est-ce qu'on va faire? Oh les trucs de, je me rappelle, c'est un fragment de lune de puissance, ça c'est... Faut récupérer encore 4 autres qui se situent ici j'imagine. En fait faut les trouver, ah bah. Il y en a un qui est ici. Vous voyez hein, c'est utile hein, de faire le tour hein. Toujours faire le tour, ça sert beaucoup. Il y a un fragment de lune au-dessus du poison, mais comment je fais? Ça fait longtemps que j'ai pu jouer à ce jeu, hein, donc honnêtement, on voulait pas, hein, s'il y a des choses que je me rappelle plus trop. Hein. Tac. Ces empreintes, je me demande bien jusqu'où ils sont allés. Troisième fragment, yes! Ah oui! Et ça, c'est un ennemi. Et du coup, en fait, il suffit de faire Y. Il met ses lunettes et on peut voir les trucs secrets. C'est trop bien ça. Pourquoi il a peur? Pourquoi il a peur de moi? Eh, hey, pourquoi t'as peur de moi? Je suis ton ami, tu te rappelles plus de moi. Ok, bon, du coup on peut... Oh, du coup c'est plutôt simple. Hein. On va garder ce personnage avec nous. Ah, il y a un truc qui nous mène en haut. Bon bah on va aller en haut, hein, écoutez. Oh yeah. Sexy, hey. Bon lol, ah bah oui, bah c'était sûr. Ok bon on peut continuer à aller tout là-bas. Au fond il y a des pièces aussi. Ouais il permet aussi de voir les pièces cachées hein. C'est trop bien. Tac, ok. Et la dernière lune elle est par là-bas. Parfait, bon bah ça va. Rien de bien compliqué hein, me diriez-vous. La lune. Alors oui, hein, pour ceux qui savent pas, c'est que j'ai arrêté de filmer en 30 fps, j'ai modifié un peu, et j'ai mis 50 fps. J'espère que ça va être beaucoup pour mieux. Ah oui, on peut tomber par ici. Parfait, tout ça. Et hop là. Alors, ah bah voilà. Voilà lune, parfait. Du coup maintenant, le troisième jet de puissance, de lumière, où se situe-t-il? Ah oui, le truc incroyable de Space, c'est la pyramide inversée. Ah bah voilà, bon, ils en parlent. Et la pyramide inversée, elle est bien. Oh, Baroud est dans la pyramide inversée. Ah oui, ils sont au sommet, hein. La clique de Bowser. Bon, du coup, on va pouvoir revenir sur l'autre île. Ok. Alors, c'est sympa comme endroit. Bonjour monsieur. Il se passe quelque chose sur la pyramide inversée. Je suis un peu inquiet pour la bague d'union qui est à l'intérieur. Ok, intéressant. J'ai eu chaud. Là, il y a quoi cet endroit? Ah bah d'accord. Quel est cet endroit? Ah, tiens. Ah, ok. Bon bah sympa hein. Sympathique. Bon je pense que je peux le faire tout seul hein. Mais t'es sérieux? Oh là 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 là. Mais je suis une merde. Que je suis une merde.
Non mais t'es sérieux? En plus y a le truc qui me gêne. Bon c'est pas grave, je perds des pièces mais bon c'est... Qu'est-ce que c'est chiant. Laisse-moi tranquille. Moi tout ce que je veux c'est... Voilà, enfin merci. C'est bon. Toi tu viens m'aider. Ah ok. Ok. Jump. Jump. Au bout du chemin inversé. Jump. Jump. Voilà. J'ai besoin de toi encore une fois. Ah bah c'est bon en fait. Oh mais il m'empêche de... Je pense que c'est bon là. Ok ok, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Toulou toulou toulou. Toulou toulou toulou. Ah oui, on fait moins, on peut voir la carte. Tu peux sélectionner les drapeaux relais que tu as activé, tu téléportes en appuyant sur A. Ça c'est sympa ça. Alors on va aller par ici. Par là-bas il y a des choses. Il y a des choses intéressantes. Et que je dois pas rater parce que c'est des lunes supplémentaires. Voilà, c'est ce petit temple sympathique. Et on va se diriger par là-bas. Bon c'est aussi parce qu'il y a un plat relais. Un drapeau relais, pardon. Un drapeau relais. Encore des petits endroits sympathiques. Ouh. Alors la suite. Tapadapa. Peut-être passer par ici finalement. Nine, non 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 non. Oh là là, j'ai mal joué, je suis désolé. Je fais que de perdre des pièces inutilement, je meurs beaucoup. Mais bon, on peut se permettre hein, parce que dans Mario Galaxy, honnêtement, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de difficultés, donc c'est déjà ça, c'est bien. C'est une bonne chose. Moi, je suis une merde. Je suis vraiment une merde, je suis allé trop vite. Je suis allé trop vite. On va faire petit à petit et on va se calmer. C'est pas la façon. Voilà. On attend. Touche mon chapeau, toi. Parfait. On va aller par ici. J'ai encore failli mourir. Toi, tu vas m'aider. Bon, évidemment. Hop là. Et on prend le relais. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Ouh putain, j'ai failli me faire avoir. Ok, c'est bon. Ouf, j'ai eu peur. Au détour du dédale des Bill Ball. The Bill Ball. Bill Gates. Désolé pour cette blague de... Non! J'ai avancé trop vite. Oh mais je suis vraiment nul à ce jeu. Je suis trop nul à ce jeu. Honnêtement, je viens de le remarquer, je suis vraiment une nullité exemplaire. Touche mon chapeau. Touche-le, s'il te plaît. On va se calmer, on va se calmer, on va se calmer, on va se calmer. On va aller par ici. Waouh. Non, 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 non. Non, mais je peux pas mourir comme ça. Quoi? Mais quoi? J'ai pas eu le temps. J'ai sélectionné le mauvais bilbourin. Oh, mais. Je fonce contre le mur, hein. Rien à branler. Toi tu m'aides. Aide-moi. Est-ce que j'ai le temps ou pas? J'ai le temps, 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 j'ai gagné. C'est bon, let's go. Et une lune à la fin. Je te remercie. Tru tru tru. Tru tru tru. J'adore faire ce bruit. Alors, y'a des choses intéressantes par ici ou pas? Rien du tout. Ouais, ok, il y a pas grand chose d'intéressant. Du coup, on va se diriger vers la pyramide inversée. Donc, le but c'est d'aller vers la pyramide inversée. Mais on va d'abord faire autre chose. Ah, bah tiens, tiens. On va d'abord faire une quête. Genre la quête secondaire, comme dans les trucs des MMORPG, si j'ai envie de dire ça. Salut mec, comment ça va?
Mes trois moutons se sont fait la malle. Je serais tellement content si tu me les ramenais ici. Oui, t'inquiète, pas de problème. Alors, c'est ça, ces moutons. Du coup, ils ont peur, les moutons. C'est pour ça qu'il faut que je les ramène chez, faut que je les ramène chez lui. Si, vas-y, 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 vas-y. Parfait. Donc, trois moutons, hein, on retient ça. On peut aussi faire ça pour que les moutons aillent plus vite. Bon, par contre, faut faire gaffe hein, parce que je pense pas que ce soit vraiment la meilleure technique pour récupérer les moutons. Allez, à plus. Allez, la musique là. Bon, allez, le dernier mouton, il est où ce. Il est où le dernier mouton? Ah, bah, il est parfait. Il a. Qu'est-ce que c'est que ça? Un cristal, une multilune qu'on ne peut pas attraper. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, le bruit il est smooth. Ah, c'est quoi ça? Une lune. J'avais raison. Vous gagnez une lune, tombée du taxi. Ah, mais c'est le. Attendez, attendez, on va d'abord faire ça. Voilà. Bonjour monsieur. Ah oui, ça c'est les mecs de New Donk City. Je suis censé aller chercher un client, mais cette fichue voiture ne veut plus bouger. Ouais, je me disais bien que c'était le taxi et que c'était à cause de la gare. Enfin, je me disais que c'était à cause de la glace. Je me disais que ça avait un certain lien. Quelconque lien. Avance, avance, avance. Je veux ma lune, je veux ma lune, je veux ma lune. Parfait. Ma lune, passe ma lune. Ta na 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 na. Ta na 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 na. Attendez. Ta na 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 ta na ta ta. Wow. Bon, du coup, en fait, je pense qu'on a fait un peu le tour de toutes les lunes qu'on pouvait faire jusqu'à maintenant. Bon, bah, let's go pour entrer dans la pyramide inversée. Bonjour, monsieur. Est-ce que c'est dangereux d'y entrer ou pas? Deux jeunes tourtereux se sont entrés là-dedans, probablement pour voir notre fameuse bague d'union. Donc, la bague d'union, elle se trouve à l'intérieur de cette pyramide. Ok. Est-ce que ce sera un musée? Ah non, c'est un temple. Un temple, c'est pas du tout un musée, un temple plutôt dangereux parce qu'il y a des billboards en plus, donc ouais. Alors on va passer par ici pour qu'il y ait plus de chances de récupérer des pièces. Let's go. Ok. Ah bah tiens, encore un truc en deux. En 8 bytes. Ah oui, j'ai oublié de péter le bloc là. Trou trou trou. Ah oui, ils ont vraiment pris beaucoup de choses de Mario Galaxy. C'est vraiment sympa. Genre le truc inversé des trucs rouges. Ça c'est vraiment sympa. Oh putain, je me sens pas proche. Je me sens pas prêt de faire ça. Hop là. Hop là. Voilà, parfait. Ok. Bon, bah c'est parfait tout ça. Ah oui. Merde. Hop là. Tu es mort, le bande de Gomba. Ah oui, là il y a encore un endroit caché que personne ne savait hein. Et évidemment, dans les endroits cachés, qu'est-ce qu'on trouve la plupart du temps? Des lunes. Ok. Bon, le secret de la muraille inversée. Ok, bon du coup c'est parfait. Ok. Alors la suite, la suite, la suite, la suite, la suite. Oh. Oh 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 oh. Oh dommage. Ah, on peut péter les trucs. Ah ok. J'ai tout pété moi. J'avais tout caché. Alors il y a des choses intéressantes ici de ce côté là ou pas? Pas grand chose. Mis à part ah ça. Ah mais oui ça, évidemment c'est important. Putain j'ai eu peur à un moment donné. Ok, enfonce, 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 enfonce. L'aventure, l'aventure, l'aventure. Ok, bon, on arrive au sommet. Bon, cette attention ne fut pas de tout repos. Ce qu'on va faire directement après ça.
Tac 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 tac. Ah, ça c'est les statues du Sphinx, non? Tout à fait. Et puis, c'est bien ce que je me disais, il y en a une qui manque. Je ne sais pas pourquoi. Elle a peut-être disparu. Attends. Tiens, on dirait qu'il manque une statue ici. Non, mais c'est normal que je ressens des vibrations. Ah, d'accord, je me disais bien qu'il y avait certaines vibrations. Ouais, parce qu'à la Switch, je peux sentir des vibrations, ça c'est sympa. Par contre, on entend le bruit du. On entend le bruit du bateau assez fort. Haha! Là, il y a un piquet illuminé. Et qu'est-ce qui s'y cache? Une lune, bien évidemment. Toujours les lunes, les gars. Oh là là, toujours les lunes, hein. C'est chiant les lunes, hein. Oh là là. Du coup, la suite. Ah oui, il y a un. Si on passe par ici, il y a un truc. Ah non, pas du tout. Alors, c'est où le truc? C'est de l'autre côté, non? Je pense que c'est de l'autre côté, j'imagine. La réponse est oui. Oh là, je suis trop fort. Ah, encore les Brutals. Alors, vous cherchez la bague d'union, les Minus. Gna gna gna, fallait se lever plus tôt, le boss est déjà passé. Et ça sert à rien de s'obstiner, vous êtes toujours pas invité au mariage. Ah, elle c'est une boss que j'aime beaucoup. Je pense que ça c'est la plus simple des 4. Elle nous envoie des trucs. Et qui je dois essayer de lui balancer à sa gueule en fait. Voilà, boum, comme ça. Voilà, elle nous envoie des trucs et il faut lui balancer à sa gueule, hein, c'est vraiment utile. Qu'est-ce qu'elle fait? Waouh. Waouh. Oh mon dieu. D'accord, et là c'est aussi pour qu'elle arrête. Ok, intéressant. Ça je savais pas. Merde. Oui, puis on peut aussi attendre un moment. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment elle va nous lancer des gros boulets. Genre ça. Et il suffit de l'envoyer tout simplement. Pour qu'elle se fasse complètement démonter. Hop là. Comme ça elle arrête d'envoyer des bombes n'importe où et qui des flammes de partout, hein, c'est un petit peu énervant. Oh merde. Hop là. J'ai envie d'attendre les gros poulets, hein, genre pour le combat épique, hein, donc on va faire ça. Hein. Regardez, on va esquiver dans la dernière minute. Et boum. Efficace. Et voilà. En trois coups. En deux temps, trois mouvements. Et voilà. Et une multilune comme récompense. Barou dans la pyramide inversée, c'est quoi? Barou, baroud. Honnêtement, je sais plus trop comment on prononce le mot, on s'en fout un peu. Et voilà. Bon là, vous dites qu'on a peut-être fini hein, le truc du désert. Sauf que non. Sauf que non. Sauf que non. Ce serait trop facile, hein, évidemment. Ce serait trop facile. Pyramide inversée. Un trou dans le désert. Fou. Qu'est-ce que ça peut être? Cette fichue de bourdale, ça nous a un peu ralenti, mais rien de bien grave. On continue dans... Donc on rangeait les lunes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La pyramide inversée flotte dans les airs. Et il fait encore plus froid qu'avant. Tu crois que cette crapule de Bowser qui est derrière tout ça... quel castox celui-là. Castox, la première fois que j'entends cette expression. Ok, et là il fait toujours plus froid. Mais voilà. Voilà les gars, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un masse de like, ça me ferait hyper plaisir. Hein. On va s'arrêter pour cet épisode 3, nous avons fait pas mal de choses. Hein. Un boss en plus. Et là, dans l'épisode 4, les gars, on verra un peu ce qui va se passer hein, dans ce trou. Attends, il y a toujours cet oiseau qui transforme une lune. Bon, et voilà. Du coup, sur ce, je vous dis au revoir et puis à très bientôt, les amis, pour une nouvelle vidéo sur ce let's play magique de Super Mario Odyssey. Allez,
À plus les gars.